Cette fois-ci, on y va. On devait aller où monde de traverse. Allez, alors on se rappelle, la mission c'était de faire 180 points. On va aller faire vite fait. Donc on avait fini le monde de Tarzan. Là on se rend directement à la ville de traverse pour voir pourquoi on avait le vaisseau Gumi. Enfin la petite pièce du vaisseau Gumi qu'on a trouvé. Et comme ça on sera bien. Allez, casse-toi pas. Allez. Ah il s'est cassé mais j'ai pris des dégâts. J'espère qu'on améliore le vaisseau. Ok, 85 points. Encore 100 points et on a gagné. Voilà. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Pour ça, il n'y a pas beaucoup d'ennemis, c'est un peu emmerdant. Parce que sans ennemis, on n'a pas de points. De dommage que d'habitude. Embêtant. Voilà. Les deux derniers. Ok, 152. C'est bon, ça va être bon. On va réussir. Voilà. Ça c'est les ennemis qui font plaisir. Ok, du coup on va gagner un objet. On arrive au Colisée, après on repart. Ok, le bloc croc. Alors, ville de traverse. Merde. Stop. J'ai pas le temps de voir la mission. Alors, partie du Colisée, récupère au moins 30 blocs boucliers. C'est parti. Les blocs boucliers. Lesquels? Je crois que c'est les jaunes. J'ai pas de conneries. Ça doit être ça. Ok, on a combien là? 9. J'espère que ça suffira. C'est de gérer. Je sais pas si on va y arriver parce que le vaisseau Gumi on l'a pas encore amélioré une seule fois. Faudrait qu'on l'agrandisse. Voilà. Alors. Voilà. Allez, allez. Allez, allez, cassez, cassez, cassez. Merde. Ok. 15. On a 19. Allez, ça se dégage. 22. On est loin des 30. Hein. On est très loin des 30. Ok, on a encore une chance. On en récupère 8 cette fois-ci. En espérant qu'il y ait des trucs pour en récupérer. Mais je suis pas sûr. Oula, il y a beaucoup de monde. Ouais, non, il y a beaucoup d'ennemis, mais pas de bloc boucliers pour l'instant. Ouais, non. C'est baisé. Il va falloir qu'on l'améliore. Ouais, ça a raté. On a raté la mission. Il y en a encore.
Ok. Bon, on va aller au premier quartier, hein, tout simplement. Alors, allez qu'on montre le bloc gumi à quelqu'un. Salut toi. Léon est sûrement dans la grotte souterraine, il s'entraîne souvent là-bas. Tu sais, le canal dans la ruelle, il est relié à la grotte. Qu'est-ce que faut-il? Bah rien. Du coup, que dalle. Ok, donc j'imagine qu'il faut qu'on retrouve Léon. Canal relié à la grotte, il faut qu'on passe par le deuxième quartier. On va ouvrir ça. Encore une carte postale, on en a déjà eu une. On va voir ce qu'on trouve où les mettre du coup. Alors. Il y a vraiment. Ah, ça me prend pour ça! Ok. Aïe là! Ok, les ennemis deviennent de plus en plus forts en fonction de où on va. Alors. Fallait qu'on traverse par là. Ah! Ils donnent beaucoup de magie, eux. Ok, une porte qui marche. Ok, donc cette porte-là ne marche pas. Porte verte. La marteau! Ah, nous c'est 1. La glace est plus faible. Là. Voilà. Montagne pelée. Oh, rouge. Non, ça ne pas non plus. Ok, les brasiers. Ok, d'accord. C'est que les foot qui valent 3 points. Parce que là il y a un coffre. Waouh. La ruelle. C'est là qu'on voulait aller. C'est là qu'on voulait aller et on voulait trouver. Canal amène à la grotte. Fermé. Connard de Donald qui soigne les ennemis. Il leur fait des sorts auxquels ils sont pas sensibles. Voilà. Et il y a une marque. Une fameuse marque. Voilà. Voilà. On a accès à la grotte. Bonjour. L'endroit est si mystérieux, d'accord. Alors, tu as trouvé la serrure? Oui. La Keyblade l'a verrouillée automatiquement. Bien. Chaque monde possède une serrure, et chaque serrure mène au cœur de ce monde. Il doit également y en avoir une dans cette ville. Comment ça? Dans le rapport d'Ansem. Les 5 cœurs entrent par la serrure et modifient le centre du monde. Qu'arrive-t-il au monde? Il finit par disparaître. Que? C'est pour ça que ta clé est si importante. Tu dois verrouiller les serrures, tu es le seul à pouvoir le faire. Ok. On comprendra mieux en explorant d'autres mondes. Bon allez. T'es saisi. J'ai toujours pas d'infos par rapport à Finn. Ah, les Dalmatiens. Ok. On s'en va du coup. On va leur parler quand même. Et Léon, ce bloc gumi est très différent des autres, sais-tu à quoi il sert? Demande à Cid, il devrait savoir. Attends, Sora, prends ça avec toi. Orbe de la Terre. Cette pierre renferme un pouvoir mystérieux. Je la garderai comme porte-bonheur, je te la donne. Comment s'en sort-on? Ok. On va aller voir Cid. Il a sûrement des infos. Donc Cid est au premier quartier. On va passer par là.
Oh non, je vais tomber si je me bats là. Allez, on se casse. Je me bats là, je vais tomber. Voilà, c'était par là et par là. Alors. Ah, eux, ils valent des points, eux. Bah, non plus énorme, mais. Mieux que rien. Mieux que 1 en tout cas. Allez, hop là, dégage. Ok. D'accord, ok. Il faut y avoir. À mon avis, il faut aller. Faut aller quelque part pour avoir ce coffre. Ah, salut Alex, comment tu vas? Alors, Sid. Sid. Bonjour. C'est quoi ça? Tu peux voir? Ah, mais c'est un bug gummy! Ouais? À quoi sert-il? Vous plaisantez ou quoi? Vous pilotez un vaisseau gummy et vous n'avez jamais vu un ami gummy? Bande d'inconscients, l'espace c'est pas pour les amateurs. La chose qu'on ignore, et alors? On veut utiliser les vaisseaux gummy pour rejoindre d'autres mondes. On n'a pas le choix. Oh, du calme! J'avais pas, sans rancune saura. Bon, dans ce cas, je peux vous donner un coup de main. Merci. Bah, ça va nickel. En fait, grâce au Navi Gumi, on peut aller dans de nouveaux endroits. Vous voulez un sur votre vaisseau? Oui. Je vais vous l'installer. Mais je dois d'abord livrer quelque chose. Ah, quoi donc? Un livre. Un livre? Il est très ancien quand on me l'a rapporté. Attends, quand on me l'a rapporté, il tombait presque en morceaux. En trop mauvais état pour être parfaitement restauré. Mais au final, j'ai fait du beau travail en le reliant. Enfin, ça vous dérangera de le livrer pour moi? C'est pour le vieux manoir après le troisième quartier chercher le symbole du feu. C'était quoi ça? La cloche de Glisson. Allez voir ce qui se passe, mais apportez d'abord mon livre. Quand vous aurez fini, passez à la maison du troisième quartier, j'y serai. Ok. Alors, attends, vas-y, mais il a dit quoi? Allez voir le vieux troisième quartier, symbole du feu. Allez voir pourquoi la cloche sonne. Et après le rejoindre dans la maison du troisième quartier, c'est ça. Hop là, ça dégage. Bon, je crois que... Non, laisse pas partir. Voilà. La cloche, ça doit être là. Oh, il y a des gros maintenant ici. Ah, pas trop ici. Merde. Il me casse la gueule. Allez. Oh putain, mais il me défonce alors qu'ils sont nuls. Mais arrêtez. Ok, c'est bon. Allez, un grand coup. Voilà. Ah, t'es nul, toi. On va le soigner. Ah, c'est vrai qu'on a soin maintenant. Il faut qu'on le mette. C'est vrai que les graphismes entre le premier volet et le troisième ont bien changé. Ah bah ça. Y'a pas de doute là-dessus. Ah mais y'a encore un soigneur. Enfoiré. Voilà. Il fait des bons dégâts dingo. Troisième quartier du coup. Ok, on s'en va. On s'en va, c'est bon. Ah mais y'a des bons tout le temps maintenant. Ok, je pense qu'on aura besoin de faire complexe à un moment. Et on a la nouvelle Keyblade aussi qu'on a pas mis. Oh là là, qu'est-ce qu'on est con. Attendez, oh ça c'est nouveau aussi. Alors attendez, on se débarrasse d'eux et on met la nouvelle Keyblade. C'est quand même important. Allez, dégage. On peut s'arranger un peu le jeu. Voilà. Et voilà. Donald qui est déjà cassé au KO alors qu'on tue que des petites merdes. Oh le bâtard. Voilà. Mais bordel. Voilà.
putain, il a combien là? Ouais, ouais, ça va, il donne pas mal d'XP. Il donne presque autant qu'un gros. Alors, pour ça, moule plus simple. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Équipement Sora. Alors, ça me rajoute 2 d'attaque. Allez hop, c'est direct. Et on avait gagné. Rien du tout, en fait, on avait rien gagné du tout. Au niveau des compétences, on avait le contre. Après avoir paré son attaque. On peut pas parer son attaque. Dingo, concentration, il peut pas le mettre. Et non, c'était. D'accord. Dingo, on lui met toutes ses compétences, comme ça il sera trop pété. Et aussi dans tactique. Et voilà, c'est ça. Brasier, glacier, foudre. On va mettre soin. Voilà. Ok, maintenant on a soin. Alors. Ah oui, effectivement, les dégâts n'ont plus rien à voir. Allez, hop, hop. Il a fait 4 coups là, non? Voilà. Ah, ça fait plaisir une autre blade, hein. Les dégâts n'ont plus rien à voir. Oh là là. Jouissif. Allez, revenez. Dégage. Non, 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 non. Non. Voilà. Voilà, c'est bon. Bon, on se fait un peu d'XP. Il est bloqué par là. D'accord, on a dû débloquer un raccourci. Attendez, magie. Thunder. Oh, ok. Je n'ai pas compris ce que j'ai fait. Ah, le symbole du feu. Une flamme est peinte sur la porte. Fire. D'accord, ok. Ça va, c'est pas trop compliqué. Oula. Il fait des feintes. Ok. Ok, c'est bon. Oh, le vieux manoir, toi. Eh ben, on aura fait le tour. Pièce vide. Bonjour. There's something about this musty place. Bon, elle a des hallucinations. It reminds me of the secret place back home, where we used to scribble on the walls. Remember? Kairi? Sora? Sora devient fou. Tiens, tiens. Oh, c'est Merlin. Vous êtes arrivé plutôt que prévu. Bon, bon Merlin, vous saviez qu'on allait venir? Bien sûr. Êtes-vous un sans cœur? On n'a pas l'air. Mais non, enfin. Madame Merlin, comme vous le voyez, je suis un sorcier. Je passe mon temps à voyager, mais c'est si bon d'être chez soi. Votre roi a réclamé mon aide. Le roi? Exactement. Là, le dingo, et qui es-tu, jeune homme? Tu sauras. Ah, donc tu as trouvé la clé. Le roi que vous a-t-il demandé? Un petit moment. Plesto! C'est très pas bien rangé. Voilà. Votre homme m'a demandé de vous enseigner la magie. On commence quand vous voulez. Vous êtes prêt à commencer l'entraînement? Oh, il y a encore une chose.
Bonjour, je suis la bonne fée. On m'a aussi demandé de vous aider. Je vous assisterai au cours de votre aventure. J'ignore si vous serez utile, mais passez me voir quand vous voulez. Mais c'est mon livre. Vous avez demandé de me l'apporter. Vous voulez savoir de quelle sorte de livre il s'agit? Je vous le montrerai moi du coup. Moi-même, je l'ignore. En fait, il n'est pas à moi. Un beau jour, je l'ai trouvé dans mon sac comme ça. C'est un livre très étrange, j'ai demandé à Sid de le restaurer. Bien, je vais le placer ici pour le moment. Ce livre renferme un grand secret. Les pages manquantes le dévoileront. Je laisserai le livre ici, consulte-le quand tu voudras. Et remercie-moi ainsi pour l'avoir restauré. Ah, quant à ta pierre, tu devrais te renseigner auprès de la bonne fée. Savez-vous ce que c'est? Oh, le pauvre petit, elle était transformée en orbe d'invocation. En orbe d'invocation? Cette petite créature vivait dans un monde qui a été détruit par les ténèbres. Tu sais, tous les êtres disparaissent avec leur monde. Mais celui-ci avait un cœur très puissant. Et au lieu de disparaître, il s'est transformé en orbe. Merlin, il vieillit pas. Il a jamais vieilli, Merlin. Peut-il être sauvé? Oui, mais seulement son esprit. Maintenant, observe. Abracadabricadabra! Simba! Vous pouvez lancer des invocations si vous êtes à 3 pendant les combats. Chaque invocation ne peut être utilisée qu'une fois par combat. Si un des compagnons est KO, la commande invocation n'est plus disponible. Les personnages invoqués disparaissent lorsque leur jauge du MP tombe à 0. Vous pouvez aussi choisir la commande renvoyer pour le renvoyer. Plus d'informations sur l'utilisation des invocations, consultez le Carmen et Jiminy. Dès que tu l'invoqueras, il viendra à ton aide. Si tu trouves d'autres orbes, rapporte-les-moi. Les esprits qu'ils abritent retrouveront leur corps quand leur monde renaîtra. Aide-moi à les sauver, Sora. Ok. A-t-il déjà été jeune? C'est vrai. Qui a appris la magie à Merlin? Je vais laisser le livre ici. D'accord. Pratiquez la magie. L'entraînement. Ici, vos MP sont régénérés automatiquement lorsque vous lancez des sorts. Vos cibles sont les meubles. Les cibles peuvent être fixes ou mobiles. Lorsque vous avez terminé, allez voir Merlin, choisissez l'option arrêtée. Comme mobile. On va tuer tout le monde. Foudre! Ah non, c'est vrai que le foudre. La magie qui marche. Feu! Pour les commandes. Oh, on tue une Gatling. Ça va de quand? C'est un peu d'entraînement. Maléfique ou Marie Lavonne. Ça va jamais quoi. Arrêtez. D'accord, ok, donc c'est juste pour essayer. Allez, redescends. Ah ouais, c'est une vraie question ça. Qui a appris à Merlin la magie? Vous devriez aller voir Sid avant de repartir. Attendez, il y a une marque là. Léo. Voilà. Allez, on va copier tout ça. Alors, il faut qu'on aille revoir Sid. Il fallait qu'on aille à la cloche aussi. Direction la cloche. Ah, il a fait me mettre la fin, lui. Voilà. Ok. Oh, c'est Riku. There you are. What's going on? Riku. Hey, cut it out. I'm not dreaming this time. Right? I hope not. It took forever to find you. Voilà. Riku. Wait a second. Where's Kairi? Isn't she with you? Well, don't worry. I'm sure she made it off the island, too. We're finally free. Hey, she might even be looking for us now. We'll all be together again soon. Don't worry.
Just leave everything to me. I know this. Ah. Leave it to who? De conflit. Sora, what did you? I've been looking for you, and Kairi too, with their help. Ooh la la. Who are they? We visited so many places and worlds, looking for you. Really? Well, what do you know? I never would have guessed. Oh, and guess bah, il est sympa, what? Hein. Sora is the Keyblade Master. Sympa, le Riku. What's that mean? So, this is called a Keyblade? Huh? Hey, give it back! Catch. Bah attends, mais c'est pas cette Keyblade là qu'on a en plus. Whoa. Et une autre. Hein. So you're coming with us, right? We've got this awesome rocket. Wait till you see it. No, he can't come. What? Forget it. Oh, come on. He's my friend. I don't care. Oh, he's gone. C'est quoi, est-ce qu'il s'est barré? Nice going. Oh well. At least he's okay. And who knows? Maybe we'll run into Kairi soon too. La voix anglaise de soir est tellement dégueulasse. Ah bref. Il fallait qu'on aille voir la cloche. La cloche. La 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 la. Oh, encore une. Ah, mais attends! Ah, la Nelou qui blade, il fait plaisir. Allez, viens, viens, viens! Yeah! Merde. C'est vrai que le bidou, ça fait rien. Hop là! Petite potion plus, ça fait toujours plaisir. La cloche, elle est là-haut. 100%, on va passer par l'endroit où il y a les 6000 ennemis. On va se les faire, ça va nous faire de l'XP. Bonjour. Oh, en plus il nous rapporte plein d'XP, c'est bien. Alors, venez. Et la bataille. Voilà. Oh non, pas le gros. Ah mais il y a la vocation à tester aussi. Waouh. C'est beau. Give me strength. Give me strength. Come on. Ah oui, c'était pas longtemps d'invocation. Ok, c'est utilise pas de PM, j'ai l'impression. Ah, pour que aussi un PM. Ok, c'est un PM si on bat. Boost tech, c'est quoi ça, boost tech? Ah, douleur! C'est ça quand même? Clé de vie. Ah. Et hop, hop, hop là! Ok, Donald il a level up aussi. On est bon. Dans les compétences, on vient d'avoir boost tech. Augmente les points tech obtenus en parant les attaques ennemies. Allez. Là. Plus on a d'XP, plus vite on monte. Voilà. Suffit de monter. Bon, il y en a plein. Ouais. Non parce qu'en fait c'est un soin. Mais il a pas assez de vie pour soigner. Hop là. Tirons la corde.
On peut encore tirer. Ah, doit y avoir un truc, un code ou... Okay, on va essayer de voir toutes les faces. Et après on verra pour les indices, pour s'il y a un code ou un truc à faire à certains endroits. Ah bah peut-être pas du coup. La serrure. Ego. Allô. Ah ça c'était l'indice pour dire qu'il fallait trois coups de cloche. Ok d'accord. Hop allez. Bon allez arrête. Arrête. Merci. Cinématique. Ah, le retour, on s'est déjà fait. Ils nous le remettent une fois. Tout le monde défoncé. Hop, on esquive. Vous connaissez quoi ? Voilà. Ouais, d'accord, ok. Ça va être un boss level up. C'est un Transformer. Ok. La musique devient plus vénère. Ok, on commence toujours par ça. Oh, le petit bonus de ces XP là. Voilà. Allez, on s'occupe des petites mains là. Voilà, une main de moins. C'est la deuxième. On va pas grand chose mais je brûle là. Aïe 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 aïe. Aïe là. Allez tu tires le même coup. Non non là-bas. Voilà. C'est ça que je veux. Voilà. C'est comme ça que ça dégage. Alors les pieds. Ah merde, j'aurais dû commencer par les pieds, ils ont zéro vie. Voilà. Ouh, ça pique ça. Ils sont où ? Deux pieds. Ah la main du coup. Ah j'arrive pas. J'arrive pas à faire plus le pied, c'est bon. Allez. Voilà. Et plus que la tête. Ah. Ah, il doit y avoir un truc spécial. Pas de dégâts. Ah si, pas de dégâts. Yeah. Et voilà, et le petit soin. What's full life. Et voilà. Bon, j'ai pas vu ce que j'ai gagné, j'ai vu un espèce de level en plus. Mais j'ai pas vu ce que ça m'a fait. Et au revoir. Ah salut Happy, ça va? C'est la forme. Et ben voilà. Essence du vent. Rafale. On a la rafale. Ah là aussi il y a les trois cloches. Et là on a bien la bonne Keyblade. Allez balance. Avec les deux derrière c'est tombé. Moyennement on va dire, pourquoi t'as plus de voiture? Ou t'es malade? Ou t'as pas d'argent? Ou t'as fait ta dose de vaccin? Et du coup t'es mal en point. Demi Navigomi. Ok. Et du coup maintenant on doit aller voir Sid au troisième quartier. Sid. Viens là mon Sid. Ok, une petite maison au troisième quartier. Là. Bonjour. Vous connaissez Maléfique? Non. Il paraît qu'elle est en ville. Yes. C'est la méchante. C'est une sorcière.
Elle a conduit les sans-cœurs à cette ville. Ne la sous-estime pas. Elle manipule les sans-cœurs depuis longtemps. À cause d'elle, on a perdu notre monde. Un jour, une armée de sans-cœurs a envahi notre monde. C'était il y a 9 ans. On s'est sorti et je suis venu ici avec eux. Quelle histoire! Notre souverain était un sage nommé Ansem. Il avait consacré sa vie à étudier les sans-cœurs. Mon rapport devait nous dire comment les éliminer. Et où est ce rapport? On l'ignore. Il a été éparpillé quand notre monde a été envahi. Je suis sûr que Maléfique a presque toutes les pages. You see, it's just as I told you. While you toiled away trying to find your dear friend, he quite simply replaced you with some new companions. Oh là là, Riku se fait avoir. Now he values them far more than he does you. You're better off without that wretched boy. Now think no more of him and come with me. I'll help you find what you're searching for. Le méchant. Alors, tu as vu les lire? Namigumi est installé et prêt à démarrer. Si on trouve un autre, apporte-le-moi. J'ai ajouté un bloc téléportation aussi. Maintenant, vous pouvez facilement retourner dans les mondes déjà visités. Je vais me remettre à mon vrai travail. Quand on travaille, tu verras bien. Retrouve-moi dans le premier quartier. Ok. T'as pas trop le moral? Ah, ça c'est parce que... C'est parce que ça fait longtemps qu'on a pas joué à Overwatch ensemble, ça. Ça doit être pour ça. Hop là. Bon, on se casse. Du coup, il voulait qu'on aille au premier quartier. Il va nous dire, moi je travaille pour les avec les vaisseaux Gumi. De pouvoir améliorer ton vaisseau. Et on va améliorer notre vaisseau. Qui c'est? Le blé. Et vous avez fait vite. T'as tout compris, je suis dans le commerce de Logumi. Le coller de votre vaisseau Gumi m'a bien amusé. Revenez et je vous ferai un bon prix. Allez direct, vas-y prends-le, c'est une promo. Bon, je te laisse, je vais traîner. Je vais traîner. Ça marche à plus Alex. Pas que tu veux utiliser. Ouais. On dirait que c'est un des blocs qui forme un ensemble. Vous devez trouver le bloc qui va avec. D'accord, mais moi je veux améliorer le vaisseau. Merde, j'ai raté. Hop. Menu Gumi. Alors c'est parti pour les tutos. Voulez-vous voir le tuto? Ouais. Vous modifiez le vaisseau en suivant des plans ou en créant les tiens. Il suffit de sélectionner l'option assemblage. L'option vaisseau permet de choisir un modèle et d'en changer le nom. Voyons plutôt comment se passe l'assemblage. Il faut d'abord que tu choisisses le plan sur lequel tu vas te baser. Tu peux écrire sur les bleus, mais pas sur les verts. Ils ne servent que de référence. Une fois que tu as choisi un plan, on passe à l'ère d'assemblage. D'abord, le mode de sélection où tu choisis les blocs à poser. Pour voler, il faut au moins une cabine et un réacteur. Ok, changer de catégorie, ok. Quand tu as ton bloc, ouvre le mode assemblage avec triangle ou RB. Là que tu détermines où tu vas poser le bloc. Déplace le bloc avec les analogues et avec les touches. Utilise les analogues pour tourner les blocs et tourner la zone d'assemblage. Appuie sur A pour poser le bloc. Attention, il faut que là où les cases qui l'occupent soient libres. Pour retirer un bloc posé, appuie sur B. Quand tu veux consulter l'aide, appuie sur la touche vide. Passons maintenant au mode contrôle à carte T. Ça permet de vérifier le résultat de l'assemblage. Utilise-le régulièrement pour être sûr que tout est en ordre. Voilà, c'est tout. Le reste, tu l'apprendras avec la pratique. N'oublie pas que tu peux afficher l'aide. Ouais. Du coup. Ah, notre vaisseau c'est le Fuji. Modèle. Ok. Assemblage. Faut du plan.
le Fuji, y'en a que ça. On a quoi comme bloc du coup? Bloc foudre. Canon à double tir, à tir double en V. Laser classique. Laser. On a quoi là? Nous on a ça, c'est ça? Ouais, ça y ressemble. Donc nous c'est un canon à tir simple. Ok. Bloc foudre plus. Ok, donc canon tir simple c'est foudre. Foudre plus c'est double en V. Bloc comète, on va essayer ça. Attendez. Allez, voilà. Non. Avec ça, voilà. On peut mettre là. Je le verrai bien là, moi. Comme ça, là. Ok. Non, non, je vais le mettre. Ok. Ensuite on repasse comme ça. C'est quoi ça? Bloc roue. Roue décoratif, on s'en fout. Tir acteur de faible puissance. Fuselage de faible résistance, donc c'est un bloc carapace. Est-ce que par exemple, là je peux prendre... Non, pas ça. Alors là c'est fuselage de résistance moyenne. Je prends ça, je vais le mettre là. Ok, on peut faire ça. Village de grande résistance. Ah, on a plein. Tête. Attendez. D'accord, on a plusieurs formes. Là, logiquement, notre village sera plus résistant. On pourrait faire pareil plus bas. Reste un. On va le mettre là. Ok. Donc là on a mis un fuselage de grande résistance, ça devrait nous aider un peu. On a quoi? Elle augmentant un peu la maniabilité. C'est compliqué un peu, hein. Ah merde, on a changé de... Voilà. On a des L rafale. L rafale plus. Comment je... Donc ça va là. Ah putain c'est galère. Alors on monte. Voilà. On la tourne. On peut la mettre là. Maintenant on la tourne deux fois. Ok. Merde, je l'ai enlevé. Là j'ai mis le mode aide. Enregistré. Sur le Fuji, oui. Voilà, et retour. Donc logiquement on devrait avoir un meilleur vaisseau maintenant. Hop là. Attendez, on n'a pas regardé ce qu'ils vendaient. D'ailleurs. C'est bête. Allez monte. Salut mec. Tu peux acheter. Il a bloc brasier. Ouais, ça on sait pas ce que c'est. Bloc carapace, on se doute. Bloc rafale, là. Ah, aile d'appoint, il dit. Ok. Bloc brasier. Petit réacteur de faible puissance. Réacteur compact de puissance moyenne. Ok. Bloc scan. Radar frontal. Booster, ok. Détecte certaines choses invisibles. Avec les Suna. Canon à tir simple. Laser classique, permet de changer la couleur des blocs. Ordi niveau 2. Ordi niveau 2 à mon avis c'est pour pouvoir l'améliorer encore plus que prévu. Mais ça on verra plus tard. Du coup, on va faire une petite sauvegarde. Voilà. Et on va y aller. Bisous YouTube.